Salut les gens, vendredi 11 novembre 2022, il est presque 6h du matin. Par la force des choses, j'ai dormi un peu plus, mais beaucoup moins bien, puisqu'il y a des lumières partout qui s'enclenchent automatiquement. Donc j'ai la tête dans le cul, et en plus il fait moins 1 dehors. Donc, je vais la faire très courte, là je vais me préparer, et d'ici une grosse demi-heure, je vais essayer de partir. Moins un, ça caille quand même. Et il ne faut pas oublier, on est à 1000 mètres d'altitude. Donc ici, il fait toujours un peu plus froid. Allez, tantôt. Oh là ! Je vais tirer une lumière, ça ne sert plus à rien. Alors, il est 8h15 du matin, j'ai déjà marché 6 km. Je suppose que ma fille aura mis la photo de la voiture juste avant. Comme vous le voyez, il fait bien froid, il fait moins 1. Mais enfin, ça va, c'est gérable. J'ai fait 6 km et j'arrive dans les faubourgs de Burgos. Et donc aujourd'hui, normalement, c'est 24 km maximum. Ce sera peut-être même 15, j'en sais rien. Soit je prends une chambre juste à la sortie de Burgos pour dire de m'avancer, ou alors je vais à Toranos ou un truc comme ça. Allez, je vous tiens en jus, à tantôt. Voilà, il est 9h, j'ai fait 10 km. Là, c'est ma première vraie pause et mon premier café du matin. Là, je suis carrément rentré dans Burgos. Et donc je vais traverser Burgos, mais je vais faire mon S. Si je m'en tiens à mon étape du jour, j'ai encore 14 km. Allez, à plus. Donc dans la ville de Burgos, je serai content de quitter parce que bon, faut s'y retrouver. Il y a très peu de flèches, très peu de coquilles. Faut être très vigilant. Je suis médisant puisque les coquilles sont bien là. Il est 12h30, comme vous le voyez, je me suis recouvert, le soleil est là, mais il y a un vent de tous les diables. Je suis bien content d'être sorti de Burgos, je reprends enfin un chemin un peu correct. Il me reste 7 km, je suis désolé s'il n'y a pas plus d'images de Burgos, mais franchement, pour moi, traverser les villes, c'est pas un truc agréable pour moi.
le moteur marchait sur des chemins, voilà. Maintenant c'est un paradoxe puisque voilà, ici j'ai pu me restaurer le midi juste avant de quitter la ville et faire mes courses pour avoir des réserves au moins pour 2 jours. Je ne serais plus prendre de passer une journée comme ça sans manger. Allez, on continue. Et voilà, dans 1 km, dans 2 je dirais, puisque dans 2 nous serons à 499, je passe en dessous des 500 km restants à faire. Elle pas belle la vie. Voilà les premiers pèlerins à me rattraper aujourd'hui. Je me demande si mon italien il n'est pas dedans encore. Hein. Putain, mais qu'est-ce qu'il carbure ? J'étais 6 km plus loin ce matin que lui. Je suis parti à 7h, je suis certain qu'il est parti à 8h. En bas, bon, maintenant 28 ans, c'est clair que, comme dirait mon père, avant âge, je crache quoi l'orage. Allez, à plus. Il est 14h15 et j'ai encore à peu près 800, entre 800 mètres et 1 km jusqu'à mon auberge. À mon avis, la vidéo d'aujourd'hui va être relativement courte parce que j'ai pas fait beaucoup de photos, sauf à Burgos. Mais encore une fois, voilà, je suis pas là pour faire du tourisme. Et j'ai pas trop filmé non plus. Ce matin, il faisait trop froid. Et puis attendez-vous aussi pendant presque une semaine à avoir des vidéos relativement courtes puisque j'attaque la meseta et la meseta c'est des lignes droites à perte de vue et qui relient deux villages quoi. Donc ne n'envoyez pas à ma fille, c'est pas faute de chercher du matos mais voilà. On va pas photographier 50 000 fois les champs et voilà, et si j'ai rien à dire, j'ai pas forcément envie de filmer. Donc ce sera relativement court certainement. Allez, il faut prendre pour l'arrivée ou la conclusion. 15h30, 16h, je sais plus. Enfin, je suis dans ma chambre. J'ai pris ma douche, j'ai massé mes cuisses et mes mollets avec la pommade. Je vais aller faire ma lessive. Apparemment, il y a possibilité d'avoir des repas ici. Et après, je vais un petit peu mettre en ordre aussi mon sac et mes affaires quand j'aurai fait ma lessive. Et puis, je vais regarder un petit peu demain l'étape. Je devrais arriver à Castro Yeris. C'est à 30 km. Donc ben voilà, 30 km c'est déjà pas mal et on verra bien un jour à la fois. Aujourd'hui voilà, je suis resté raisonnable mais je suis content, je suis bien mis, je peux faire ma lessive et je vais avoir un repas. Voilà, et on verra demain aussi le temps hein, parce que ce matin moins un c'était glagla hein. Donc je demande qu'une chose hein, c'est de dormir jusqu'à 6 heures une fois hein, et partir vers 7h, voilà, c'est bien assez, mais malheureusement, j'en peux rien. Ce matin, à 3h30, j'étais réveillé, c'est parce que je me suis obligé à me remettre sur les 5h30. Allez, à demain pour de nouvelles aventures.